Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. De l'année 2016, très content de vous retrouver sur LCF et les ondes du City FM 89.9 MHz pour l'émission Toc Toc. Merci à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier grâce au www.lcftogo.com. Ce matin dans Toc Toc, nous recevons comme d'habitude deux confrères pour décrypter l'actualité de ces dernières heures au Togo et en Afrique. On démarre par la présentation. Le premier comme nom, David Baini Djamavi, il est de l'agence de presse AfriPresse et aussi du Togo Site. Bonjour. Bonjour Julien. Et là en face de lui, Fabrice Pétiesi, le patron du journal Le Libéral. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité M. Samir Abi. Il est le directeur exécutif de Vision Solidaire. Avec lui, on parlera bien sûr de migration. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. Les journaux de lecture sont ce mercredi 12 octobre 2016, devant par le journal La Forum de la semaine, c'est le quotidien privé de Dimas Dikodo. Forum de la semaine qui trace à une ce mercredi, fin du colloque CAP 2015 sur l'alternance en Afrique. On a tout dit, ou presque encore une fois, sauf l'essentiel. Sommet de Lomé, leçon de jeunes étudiants togolais aux politiciens, auteurs de critiques. Fort n'est pas con pour verser tous ces milliards dans la mer. Il a juste eu une dimension de réflexion plus grande. Le quotidien privé Liberté est également disponible dans les kiosques ce matin. Colloque du CAP 2015 sur l'alternance politique en Afrique, les participants élaborent la déclaration de Lomé et formulent des recommandations. Jean-Pierre Fabre dénonce les manœuvres visant à l'opposer à ses amis Albert Bourgi et Francis Matindé. Un portique publicitaire du sommet s'écroule à des cons. Kakoulou Boukwa exhorte les 14 pays de la zone franc à sortir de leur dépendance vis-à-vis du front CFA. Dans les classes également, le messager. Le premier ministre Selom Klassou, village des partenaires. Nous avons l'impérieux devoir de protéger et de sauver la mer et l'océan. Si nous ne voulons pas être condamnés par le tribunal de l'histoire et les générations futures. Dans les classes également ce matin, Togo maintient de Dieudonné Koro Lakina. Dossier sommet de l'UA, nous y voilà. Lomé, ville photogénique et sécurisée. Côte d'Ivoire, projet de nouvelle constitution, les grandes lignes du projet dévoilées. Le CAP 2015 discute alternance en Afrisport. La CAN ne passera pas à 48 équipes. Dans les cas également, l'indépendance express de Carlos Komlavikutaou, sommet colloque et université sociale Togo, la semaine de la division et du clivage sociopolitique. Football, un match d'amitié a opposé journalistes et l'école Atlantique. Rompuy, l'aéroport de Lomé, le monument Vénus, notamment démoli et remplacé. Dans les classes également, le journal Le Médium de Credo AGTT, société licenciement d'employés expatriés, Move Togo en mode illégalité, fraude et violation du code togolais du travail. Sommet sur la sécurité maritime, le premier ministre Kwame Kassou lance les side events. Dans les classes ce matin également, l'alternative de Ferdinand Messon, Haïti, tournée africaine, Angela Merkel snob le Togo et son sommet sur la sécurité maritime. Stanislas Baba et Robert Doucet, pas sur la même longueur d'onde. La clique Biassa mobilisée pour les hôtes de Fort Nyasingbé. Politique CAP 2015 tient son sommet sur l'alternance en Afrique. Et enfin, avec nous dans les kiosques ce matin, l'équipe sportive de MEP. Et Pervé Vitogo, les cartes du roi. Compte financier de la CAN 2013. À quoi joue le Premier ministre Klassou? Escrime AGLT Victor Lamega Rampil. Retour en studio avec d'autres journaux ici ce matin. Nous avons par exemple le Mania Libéré. Le Mania Libéré qui titre à sa une. Sommet de l'UA Lomé, le Premier ministre a lancé des activités sur le site
des activités parallèles avant l'arrivée des chefs d'État. Des dizaines d'experts parlent sécurité maritime. Tingo Tingo également dans les kiosques. Tingo Tingo qui titre. Transformation du centre médico-social de la communauté libanaise du Togo en centre commercial. Les autorités du port autonome sourdent à la demande de la communauté libanaise. Le sommet de Lomé s'ouvre avec les 5 events. Des dizaines d'experts parlent de la sécurité maritime du Premier ministre à l'ouverture des side events. Charte de Lomé, le Togo espère arriver à un consensus. Lomé accueille le premier sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime le 15 octobre prochain. Dounia Le Monde. Dounia Le Monde titre à sa une ce matin, sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Lomé, la capitale de l'Afrique pour 6 jours. Religion. Le prophète Tibi Yoshua en croisade en Amérique latine. Pour la patrie, l'Union. Le journal de Eric Hugh Johnson dans l'Écosse écrit donc aujourd'hui ce journal est tout en couleur. Félicitations à Hugh Johnson. Tout est bien qui a bien commencé. Le Togo dans la ferveur du sommet de l'Union africaine. Et enfin, dans l'Écosse ce matin, le journal Le Dialogue. Le dialogue qui titre à sa une, sommet sur la sécurité maritime. Lancement des sites et les 238 experts planchent déjà sur les thématiques liées à la sécurité maritime. Et bien, c'est tout pour la une des journaux, la pause derrière la première partie de l'émission. Alors, nous allons parler évidemment du sommet sur la sécurité et la sûreté maritime. Dans les sites divers, autrement dit, les activités parallèles là, du sommet sur la sécurité maritime ont effectivement démarré lundi après-midi au niveau du Radisson Blu du Palais des Congrès de Lomé. Le Premier ministre Elam Kalassou a procédé à l'ouverture officielle en présence d'une belle brochette d'invités. Ça se passe bien, et apparemment Fabrice Bédizi. Oui, mais je crois que généralement c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il y a des travaux en marche, qui ont même certains qui ont même d'ailleurs commencé depuis. Même avant la fameuse date du 15 qui était censée être le début du sommet. Et donc, généralement, si vous allez actuellement sur le site du sommet, comme cela a été dit, les débats se mènent autour des thématiques. Je crois que c'est le plus important pour peut-être ceux qui sont accrédités, qui ne font pas partie des délégations présidentielles, qui vont sans doute arriver déjà à partir de jeudi et puis le coup des activités entre vendredi et samedi. Je crois que très souvent, les regards sont beaucoup plus focalisés sur les 2 derniers jours de sommet, comme ça se passe aussi bien à Addis Abeba ou partout, même à l'Assemblée générale des Nations Unies. Parfois, sur des semaines, se déroulent beaucoup de choses, mais généralement, c'est avec l'arrivée des chefs d'État et on a une certaine visibilité sur ce qui se déroule effectivement. Bien sûr, pour bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas sur les lieux, c'est-à-dire pour ceux qui sont à des kilomètres, à des distances du lieu du sommet, on aura beaucoup plus d'éléments lorsque les délégations présidentielles viendront. Et je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu est également là, parce que tout dépendra de combien de chefs d'État seront là au Togo pour ce sommet. C'est déterminant, c'est un indicateur pour pouvoir dire un jour que, bon, voilà, il y avait quand même une certaine adhésion. On n'aura pas les 54 chefs d'État, on ne les a jamais eus à aucun sommet, mais il y a quand même un chiffre qu'il faut plus ou moins. Au moins la trentaine. La trentaine, la vingtaine. Bon, je crois que et quand vous prenez aujourd'hui l'agenda des chefs d'État, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le continent. Je crois qu'il y en a certains qui doivent même aller en Allemagne et tout cela. Ils vont revenir d'ici la rencontre d'Allemagne. Ouais, on espère qu'ils reviendront et tout cela. Et il y a des gens qui confirment, mais qui à la dernière minute ne vont pas également. Et ça, nous avons un exemple chez nous. Fort Nassimbe a été à plusieurs reprises annoncé à des rendez-vous où finalement il n'est pas allé. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit surpris également que certains chefs d'État soient annoncés et que finalement ils ne viennent pas. David Jambivi ? Oui, le sommet a véritablement ouvert ses portes lundi dernier, comme nous l'avions appris sur les écrans de la télévision, d'après le programme officiel qui a été proposé. Ce sommet qui a été pendant très longtemps, qui a fait l'objet de discussions, d'échanges, une première fois reporté, une seconde fois sans avoir l'assurance qu'il aura lieu, et puis sur ce coup-ci, on l'a à partir de samedi avec véritablement l'ouverture des travaux qui va composer l'essentiel de ces assises. Nous avions vu lundi dernier le Premier ministre qui a personnellement
tenu à ouvrir officiellement ses travaux. Et nous avions aussi constaté la présence de certaines délégations qui sont déjà arrivées, d'autres qui vont continuer par arriver. Nous estimons véritablement que le samedi, tout sera mis en place pour accueillir les chefs d'État, parce que c'est leur présence qui est la plus importante. Les travaux ont commencé, les travaux préparatoires ont commencé en amont, comme ça se fait, Fabrice l'a dit tout à l'heure, sur les grands sommets, les grandes rencontres. Il y a des réunions des ministres des Affaires étrangères, il y a également des réunions des experts qui composent les deux buts préparatoires de chaque sommet, c'est ce qui a été fait. Le problème chez nous ici, c'est qu'il y a un petit souci lié à la communication. Pour beaucoup, le sommet débute le lundi, alors que... Justement, moi, c'était la question que je devais suivre. Voilà. Il y a une petite confusion qui se fait depuis lundi dans au niveau de la population. Même certains confrères font souvent aussi la même erreur. Ils pensent que le sommet a véritablement démarré. Et ils s'étonnent même que c'est le premier ministre qui est venu ouvrir les travaux, alors que c'est les activités parallèles qui ont démarré. À qui la faute? Alors, la faute, je ne dirais pas que la faute à l'organisation, mais... La communication, par exemple. La faute à la communication. Vous savez, dans pareilles circonstances, il faut savoir communiquer. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pour beaucoup de Togolais, le sommet débute le 10, alors que le sommet proprement dit a lieu le 15, avec la présence des chefs d'État et la signature, voilà, et du gouvernement et la signature de la charte qui suivra après. Alors, pourquoi ils ont beaucoup plus communiqué à partir de la date du 10, c'est parce que parallèlement à ce sommet, il y a des activités qui sont organisées, qu'on appelle les side events, qui ont été ouverts officiellement lundi avec par le chef du gouvernement. Et ces side events composent en tout cas un programme parallèle à celui de ce sommet. Et à ces side events, vous avez l'opportunité de voir, de rencontrer des experts, d'échanger avec beaucoup de personnes, des délégués, des délégations étrangères qui sont là et qui véritablement vont se réunir le samedi pour vraiment discuter sur le contenu de cette charte-là. Il y a des travaux préparatoires qui sont organisés en amont, comme je l'avais dit tout à l'heure. La réunion des ministres des Affaires étrangères, la réunion des experts, toutes ces réunions composent le contenu qui va être proposé à la signature par rapport à cette charte avec la présence des chefs d'État et de gouvernement. Donc le sommet en lui-même débute véritablement le sommet 15, a lieu un seul jour, voilà, a lieu le 15 avec l'arrivée, la présence des chefs d'État et la signature de la charte à la fin de la journée. Alors, Fabrice, je crois qu'il va falloir en être sûr. Hein. Je crois que le sommet a démarré lundi, mais dans le sommet, il y a ce qu'on appelle généralement la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ouais. Et donc, généralement, c'est sur cette conférence des chefs d'État et de gouvernement qu'on se focalise beaucoup plus. C'est pour ça que ça donne l'impression... La solennité, c'est le sujet. Oui. Donc, généralement, quand vous prenez un peu les terminologies exactes, à partir de l'arrivée des chefs, on parlera de conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et même quand à Addis Abeba, c'est comme ça se passe. Mais les travaux du sommet, le sommet prend en compte également ces side events-là qui ont été lancés déjà lundi. Mais... le clou de l'événement, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une erreur si on dit déjà dès lundi que le sommet est ouvert, puisque les activités se déroulent déjà. Mais maintenant, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, je crois que la solennité, ça sera à ce niveau-là, avec la présence effective du chef de l'État et puis bon... Son discours, solennel aussi. Et tout cela et autres. Je crois que c'est un peu cela. Bon, peut-être qu'on aura plus d'éléments là-dessus, mais on ne peut pas dire que le sommet commence seulement avec l'arrivée des chefs. Bon, selon nos infos, les délégations officielles, hein, en fait, bon, les délégations qui ont compris le chef d'État, bon, on va arriver dès jeudi. Bien évidemment. Et bon, on verra. Alors, mais les experts arrivent beaucoup plus. Les ambassadeurs aussi. Et en réalité, le vrai boulot se fait là. C'est ça. Comme on le dit, les chefs d'État, c'est le côté solennel. Ouais. Parfois, ils ne passent pas au-delà de 48 heures. C'est ça. Alors, que doit-on corriger aujourd'hui, avant l'arrivée, hein, des délégations officielles à partir de demain, vendredi samedi, hein, qui est le coup de l'événement? Parce qu'aujourd'hui, on voit, hein, que les préparatifs continuent toujours. Hein, c'est pas fini. Ouais, on continue de faire la beauté de Lomé. Qu'est-ce qu'il faut corriger ou bien qu'est-ce qu'il faut encore ajouter pour que la fête soit belle?
Oui, bon, je crois que ça, c'est au niveau de l'organisation, c'est eux qui connaissent un peu. Oui, nous, on peut attirer leur attention aussi, hein, ouais, au niveau ouais. de la presse, puisque maintenant, vous avez fait le tour, sûrement, au niveau maintenant, du... Maintenant, pour des Alexandre. Événements comme cela, et bon, c'est vrai qu'on aura... Surtout quand on n'en a pas l'habitude, quand on n'en a pas l'habitude, ça va être difficile de dire qu'on est prêt à 100%. Il y aura toujours des réglages de dernière minute. On ne souhaite pas ça, mais bon, on peut être également clément. Là-dessus, si ça arrive, je me souviens en 2000, au niveau du sommet de l'OIA à Lomé, à l'hôtel de février, même en plein sommet, on continuait toujours par donner des coups de pinceau à des endroits. Donc ça voudrait dire que... Mais ce n'est pas ce qu'on voudrait souhaiter pour notre pays. Et puis, il faut dire qu'on a pris du retard à certains niveaux. Bon, à des niveaux, on est prêt, à des niveaux, on n'est pas prêt. Bon, c'est un peu comme cela, quoi. Mais bon, il y a quand même des éléments sur lesquels je crois que peut-être la critique viendra après. Ouais. Ça viendra après et c'est de la critique dont il y aura des leçons pour l'avenir. On va évoluer. Pendant que s'ouvraient les salles d'hiver du sommet, le CAM 2015 aussi tenait à 500 mètres de là son colloque international sur la problématique de la tendance en Afrique. Plus de peur que de mal, le colloque s'est bien déroulé et a pris fait hier sans aucun incident majeur. David Diabaté. Oui, ça. Fait dire à certains qu'il y a eu un sommet dans le sommet, c'est chacun avec sa terminologie. D'un côté on parle de sommet, de l'autre côté on parle de colloque. Je pense que c'est aussi la face intéressante de la assise de la démocratie dans notre pays. Tout le monde ne peut pas se retrouver dans le sommet, tous les Togolais n'ont pas la chance de se retrouver dans ce sommet. Certains ont décidé parallèlement d'organiser leurs activités et donc leurs colloques. Et cette date coïncide justement avec la semaine de la tenue de ce sommet au Togo. C'est ici le lieu de féliciter un peu les autorités qui ont compris que au-delà de ce sommet, il y a d'autres activités qui peuvent être organisées parallèlement. Ici, le cap de 2015 a choisi cette période, c'est pour des raisons assez stratégiques, personne ne peut leur en vouloir. Tu l'as dit tout à l'heure, au début il y avait eu plus de peur que de mal, mais à la fin les choses se sont bien passées et nous estimons aussi que l'apothéose de ce colloque qui donnera lieu à une marche Non, c'est fini, le colloque est fini hier. Hein. Le colloque est fini, donc il n'y a plus de marche. Non, il n'y a plus de marche. Ils avaient annoncé une marche. Non, la marche a eu déjà le samedi dernier. Voilà, ok. Donc, on est content aujourd'hui d'apprendre quand même que tout s'est bien passé et que les étrangers qui sont au pays vont peut-être avoir une image de la diversité démocratique de notre pays. Et pour cela, nous disons merci et nous félicitons les autorités et les responsables du CAP 21. Du CAP 2015. Malgré l'absence de deux conférenciers, à savoir Albert Bougie et Francis Matindé, la conférence a eu lieu, enfin le colloque a eu lieu, et apparemment, visiblement, c'est bien déroulé. Ouais, ben vous avez constaté que mon confrère David ne savait même pas que le colloque est terminé. J'avoue que moi aussi, je ne savais pas que ce colloque est terminé. Ça dit tout. C'est pour dire que c'est venu à un moment donné où les gens avaient pratiquement leurs idées sur le sommet. On ne parle que du sommet un peu partout. Mais il y a des activités qui se déroulent en marge du sommet. Et je ne pense pas que le colloque de CAP 2015 soit fait pour challenger le sommet. Alors, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est un sommet à l'échelle continentale. On ne demande pas aux Togolais d'aller à Radisson Blu. Pourquoi faire? Si tu n'as pas une accréditation, tu ne vas pas y aller. Mais il faut juste informer les Togolais qu'il y a quelque chose qui se déroule au niveau de leur pays. Point barre. Le reste, la ménagère va à ses occupations. Chacun continue ses activités. Chacun fait ses initiatives également, comme le colloque. Et demain, d'ailleurs, quand vous prenez le réseau des journalistes pour la sécurité maritime, ils vont organiser une conférence de presse. Ça aussi, on ne va pas dire que c'est en concurrence au sommet. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'organisent et tout cela. Mais par rapport au colloque, la thématique était très intéressante, surtout sur un continent où on a parfois des élections, où ça ne se passe pas toujours bien. Mais le petit souci, ça a été effectivement les guests, si on peut les appeler comme cela. Bougie et Patindé qui devraient être là, pourquoi ils ne sont pas arrivés? Bon, c'est sur les réseaux sociaux, on lit beaucoup de choses. Mais moi, je crois que peut-être qu'ils ont minimisé un peu l'événement. C'est-à-dire que généralement, c'est des gens qui cherchent des grandes tribunes pour également soigner leur aura et autres. Peut-être
qu'on les invite pour un colloque dans un quartier perdu de la capitale Lomé. Non, le colloque à Lomé, ils ne connaissent pas, c'est au cœur de Lomé. Oui, c'est ce que je dis. Peut-être qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas vu l'importance de l'événement, ils n'ont pas jugé. C'était un peu comme si vous allez demander à Rihanna de venir jouer au centre communautaire de Baie. C'était un peu comme cela. Et donc, est-ce qu'ils avaient donné leur accord? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont pas arrivés? Je crois que peut-être au niveau de la communication, on était allé trop vite en besoin, c'est-à-dire sans avoir eu l'assurance que ces deux-là arrivaient. On a déjà communiqué là-dessus. Au niveau des organisateurs, ils disent que tout a été fait, tout a été fait pour que ces conférences arrivent. Puisque bon, l'autre est arrivé, Gali, il est arrivé donc. Je pense qu'on n'a pas. C'est un peu les caprices de stars. C'est comme, vous savez, Toc Toc est une émission de grande écoute. Et quand on m'invite à Toc Toc, je cours vite parce que bon, c'est une émission, je sais qu'il y a beaucoup de gens et autres. C'est des gens qui ont l'habitude des grands rendez-vous. C'est pour cela que je ne dis pas que le colloque était minime, mais peut-être qu'ils ont minimisé un peu. Vous savez, quoi qu'on dise, l'opposition togolaise à l'échelle continentale n'est pas l'une des oppositions la mieux positionnée, c'est-à-dire que dont on en parle tout le temps. Ouais, à l'époque, oui, quand vous prenez l'époque des Gilles Christ Olympio et autres, quand on parle de l'opposition togolaise, elle pesait. Mais il faut reconnaître pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, peut-être que ça viendra. Pour conclure, je regrette un peu, la thématique était bonne, mais les invités, ça ressemblait un peu à un club d'amis qui vont se caresser dans le sens du poil. C'est un peu ça. J'aurais, à ces rendez-vous-là, on préfère avoir beaucoup plus des gens qui sont capables de situer la responsabilité des uns et des autres. Mais quand vous prenez Ajavonzus, Gueyakwe, c'est des gens qu'on connaît, on connaît leur position là-dessus. Donc forcément, on s'est caressé dans le sens du poil et on s'est séparé. Alors qu'on aurait souhaité avoir un débat où on dit, bon, voilà là où vous pêchez et voilà là où également... Je pense qu'il y a eu des débats intéressants, des débats qui ont porté sur certaines réalités togolaises et africaines concernant la gestion de la politique. L'absence de Bourgie et de Katindé n'est pas un sujet sur lequel il faut polémiquer. La preuve, c'est qu'au sommet, le samedi, je ne pense pas que tous les chefs d'État qui sont invités seront présents. Il y en aura qui, forcément, ne pourront pas être là. Et Fabrice a cité même l'exemple du chef de l'État togolais qui a accepté certaines invitations et au dernier moment n'a pas pu aller. Il s'est fait représenter par le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. C'est tout à fait normal dans le calendrier professionnel de certains politiques ou de certaines grandes personnalités. Il faut forcément s'attendre à cela. Si Bourgie n'a pas pu venir, si Katindé n'a pas pu venir à ce colloque de l'ANC, ce n'est pas encore un événement sur lequel il faut polémiquer, puisque si les noms de ces conférenciers ont été donnés, ont été rendus publics, ça veut dire qu'en amont, il y a eu des discussions qui ont été menées et qui ont tombé sur des accords de présence de ces conférenciers. Alors, s'ils ne sont pas arrivés, il ne faut pas chercher à avoir les raisons, seuls les responsables du CAP 2015, voilà, prendront la responsabilité de nous informer. Oui, sur les réseaux sociaux, on lit tout, mais tout n'est pas vérifié. Il a dénoncé la campagne de dénigrement contre Francis Pantidi Albert Bourgie parce qu'il dit que c'est des amis à lui et que ce que les gens racontent sur eux, c'est pas vrai. Donc, on quitte maintenant aux responsables du CAP 2015 de dire, s'ils le veulent, ce n'est pas une obligation, il faut aussi le dire. Jean-Pierre Fabre n'est pas obligé de dire au public ce qui s'est passé pour que Katindé et Bourgie ne soient pas là. Le constat dégagé que ces deux conférenciers ne sont pas là. Moi, je dis au sommet, à l'ouverture des travaux de samedi, je vous confirmerai après que certains chefs d'État ont confirmé leur présence, mais n'ont pas pu venir. La différence, c'est que par rapport au sommet de Lomé, on n'a pas cité des chefs d'État nommément pour dire voilà, ceux-ci seront là, ils seront là, et qu'après... Bon, mais au niveau du ministère de l'étranger, on sait déjà ce qu'ils ont confirmé. Bien évidemment, ça reste dans le secret diplomatique. Ouais. Mais ici, au niveau du colloque, c'est que toute la communication a tourné autour de Bourgie et Katindé. Mais voilà, des gens qu'on a l'habitude de suivre à l'aise. Mais quand ils ne viennent pas, et on a l'impression que les organisateurs même sont surpris de leur affaire,
personne, ça pose problème. Je peux être invité à cette émission, mais quand je ne viens pas, je peux à un moment donné alerter mon confrère pour lui dire « Ah, pour des raisons liées à ceci, je ne pourrais pas être là. Oui, » Mais lorsque mon confrère vient sur le plateau et c'est là-bas, il découvre que... Est-ce qu'il y a des facteurs qui déterminent que ce que tu dis n'a pas été fait? Bon, il faut... Vous permettez, on va évoluer, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un projet de construction dans le circuit, et si tout marche bien, ça va être voté cette fin du mois par référendum. Hier, les députés ont vite accéléré les choses. Ils ont voté le test 239 pour, 8 contre, 2 abstentions. Donc, c'est bon, la machine est lancée et bientôt, on aura une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va être changé dans cette constitution? Alors, je vous dis les changements. Par exemple, au niveau de la nationalité, avant, on disait pour être candidat à la nation présidentielle, il fallait être... Ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux aussi originaires de la Côte d'Ivoire. Alors maintenant, le né de père est, selon le rapprochement, né de père où? Alors, autre chose aussi, la limitation de l'âge a été sautée, le verrou de l'âge. Ça dit, ce sont 15 ans maintenant, vous pouvez vous présenter, même si vous avez. Ça fait 100 ans, vous allez pouvoir aller l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous avions été tous témoins de ce drame-là qui a consisté à imposer ce concept d'ivoirité pendant très longtemps et qui a traîné la Côte d'Ivoire dans la situation instable dans laquelle ce pays se retrouve aujourd'hui. Si c'est ce mot-là qui pose problème et que des gens, des politiques ont réfléchi et qui... Il y a autre chose aussi, il y a un poste de vice-présidence qui est là. Le vice-président devient maintenant la seconde personnalité de l'état d'urgence si le chef de l'état venait. Au moins à Abidjan, on peut s'estimer heureux que le verrou du deuxième mandat, de la limitation du mandat n'a pas été sauté. Si c'est l'âge, si c'est le troisième point, c'était quoi? Il y a un poste de vice-président. Voilà, si c'est la création du poste de vice-président. Il y a le Sénat aussi. Voilà, tout ça participe en tout cas à la réelle volonté des dirigeants de ce pays de ne pas, j'espère, de ne pas changer les choses, de ne pas tuer les choses. On a fait croire que Dramane Ouattara voudrait faire un troisième mandat, mais pour l'instant... Ça aussi, on peut le soupçonner de vouloir le faire. La question que je vais la poser peut-être à Fabrice, je reviens vers vous. Parce qu'aujourd'hui, la constitution est en train d'être changée. Mais là, pourquoi vouloir sauter le verrou de limitation d'âge? C'est ce qui inquiète les opposants ivoiriens. Est-ce que Ouattara, qui a plus de 70 ans aujourd'hui, veut briguer un troisième mandat? Oui, là où c'est un peu, il y a des inquiétudes à se faire, parce que ce n'est pas une modification de constitution, c'est un changement. Il passe d'une république à une autre. Et donc là, par rapport au fait passé, je ne sais pas que c'est comptabilisable. Et je crois que l'élément, le fait de déplafonner la question d'âge pour la fonction présidentielle peut amener également à ce qu'on s'interroge là. Alors est-ce que... Ouattara a envie de continuer parce qu'il est également âgé, ou alors Danchon dit avec Conan Bédié qui est pratiquement mourant. Lui, il a plus de 80 ans. Conan Bédié a plus de 80 ans, Henri. Ouais, donc, c'est un peu cela. Il faut aussi dire que il y a une jeunesse qui monte quand vous prenez des gens comme Kakabé très virulent, par bousculé et autres. Et donc, ils vont passer, si c'est voté, ils vont passer carrément à une autre république. Maintenant, sur. La guerre qu'on a eue au niveau des conjonctions par le passé. Bon, aujourd'hui, celui qui faisait les frais par rapport à cela, c'est lui qui est au pouvoir et c'est lui qui change la règle du jeu. Et sinon, il y a, que ce soit Conan Bédié ou Gbagbo, on n'a pas voulu toucher à cela. Pourquoi? Je crois que généralement, les gens tirent le drap. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, il a fait un peu plus ou moins les frais de ça, mais il est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, il a une femme qui est française avec des enfants qui fascinent beaucoup. Naturellement, son est d'un père ivoirien et d'une mère qui n'est pas ivoirienne. Donc, je crois que les politiques ne font rien pour rien. Mais, je crois que cette histoire d'identité, il faut vraiment trouver une solution au niveau de l'Afrique. Parce que ça revient trop. On en a parlé au Gabon, même au Bénin à côté, on a touché à l'identité de ceci ou cela. Il ne faudrait pas qu'on cherche à faire comme les autres. Est-ce qu'on est déjà arrivé à ce niveau? C'est-à-dire comme la France ou les États-Unis, où on s'en fout de vos origines. L'essentiel, c'est que vous présentiez un beau programme. Est-ce qu'on est déjà arrivé à ce niveau pour cela? Parce que même dans nos propres pays, aujourd'hui même, on vous prend, vous êtes caviar, on vous donne préfet à Mango,
ça pose problème. Les gens n'acceptent pas. Les gens n'acceptent pas. Et donc, tout dernièrement, vous avez vu, dans l'élection Miss Togo, on a entendu, on a appelé quelqu'un Savadogo. Les gens ont compris. J'ai un Burkinabé. Un Burkinabé, tout en oubliant qu'on peut être Togolais de père, de mère, ou je ne sais quoi. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on tienne compte de ces réalités-là. Il ne faut pas faire des choses pour plaire à l'opinion internationale, alors qu'il y a certaines réalités qui nous rattrapent. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, il y a des postes que, compte tenu de mes origines, je ne peux pas occuper à certains endroits. Ça pose problème. C'est ça. David, moi, je pense que si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pu aller vers la recherche de ces solutions à ces problèmes, c'est parce que pendant très longtemps, la société ivoirienne a été divisée sur ces questions de « et de « où ». On a vu ce qui s'est passé. Alors, dire que Alassane voudrait peut-être tenter un troisième mandat, non, sinon mais ailleurs... Mais pourquoi alors souhaiter ailleurs, la limitation d'âge? Oui, ailleurs, ça a été... Non, c'est la question que les opposants se posent. Il faut donner la chance à tous les Ivoiriens de briguer à la magistrature suprême, quel que soit votre âge. À partir du moment où vous disposez de vos capacités mentales et psychologiques, j'estime quand même que vous pouvez diriger le pays. Ailleurs, ça a été clair. Au Togo, on n'a pas mis deux minutes pour dire le deuxième mandat, la limitation de mandat, c'est fini. En République démocratique du Congo, ils sont en train de réfléchir à une option pareille. Dans certains pays francophones et anglophones en Afrique, ça a été clairement défini qu'il n'y a plus de limitation de mandat. Si c'était ces articles qui ont été changés dans cette constitution, je peux penser que Alassane voudra peut-être ou qu'il soit intéressé par un troisième mandat. Fabrice a dit quelque chose de très intéressant. Rapidement, il faut penser à l'avenir. Vous savez, Alassane ne serait pas accepterait volontiers ou voudrait volontiers aussi que son fils devienne président de ce pays un jour. Ou une de ses filles, on ne sait jamais. Ça va se passer peut-être au Sénégal dans les 5 prochaines années à venir, où on verra peut-être le fils de Watt qui va aussi occuper. Alors, ils font ces calculs pour justement asseoir, tu vois, des éléments qui ne vont pas se retourner contre eux ou contre leur progéniture lorsqu'ils ne seront plus au pouvoir. Nous allons suivre ce dossier. On y reviendra sûrement. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer la pause publicitaire derrière notre pause. Nous allons recevoir l'invité. Et Monsieur Samir Abi. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour en studio avec notre invité, M. Samir Abi, il est le directeur exécutif de Vision Solidaire. Bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que c'est que Vision Solidaire? Oui, nous sommes une association et comme toutes les associations, nous regroupons des jeunes, filles, garçons qui travaillent pour le développement du Togo. Vous avez sorti un communiqué de presse en date du 9 octobre. Vous avez parlé du sommet sur la sécurité maritime qui a lieu chez nous au Togo. Mais vous regrettez le fait que le problème de migration n'a pas été pris en compte. Oui, effectivement, parce que, vous savez, le sommet devait avoir lieu l'année passée, au mois de novembre 2015. Et avant la précédente date, nous avons fait du plaidoyer pour que la migration soit mise au centre des questions de la sécurité maritime. Pourquoi la migration devait être mise au centre? Parce que vous savez que la sécurité maritime ne concerne pas juste les bateaux marchands qui passent sur nos mers. Ça concerne aussi tous les citoyens africains qui voyagent par bateau. Et on sait que beaucoup voyagent par bateau pour aller au Gabon. Certains voyagent pour aller de l'Éthiopie, de la Somalie ou dans les pays du Golfe. Ou bien, certains prennent des barques vers la Libye, la Tunisie pour aller dans les pays d'Europe. Et de plus en plus dans la Méditerranée, on constate qu'il y a des naufrages. Mais quand il y a des naufrages, c'est surtout les Africains qui sont naufragés. Il n'y a aucun bateau africain qui vient au secours de ces naufragés. C'est des bateaux européens qui viennent au secours de ces naufragés, des gardes-côtes italiennes et bien des gardes-côtes espagnoles au niveau des îles Canaries qui viennent au secours de ces naufragés. Il fallait que l'Afrique réfléchisse à la protection aussi de ces migrants qui voyagent par mer. Quand on parle de sécurité maritime, on parle aussi de la protection des citoyens africains sur ces mers. Malheureusement, ce sommet s'articule beaucoup plus autour de la protection des bateaux marchands
la protection des plateformes pétrolières, la lutte contre la piraterie, sans pouvoir prendre en compte, en considération, ce drame qui se passe actuellement autour de nos côtes, que ce soit dans le golfe de Guinée, comme dans la mer Méditerranée. Nous ne pouvons pas être d'accord sur cette situation et nous dénonçons justement le fait que la migration soit prise en compte. Alors, est-ce que vous avez approché les organisateurs en amont pour essayer d'attirer leur attention là-dessus pour que cet aspect de la chose soit pris en compte? Et, comme je vous l'ai dit, avant le précédent, la précédente date, en novembre 2015, on a fait beaucoup de démarches en ce sens. On a sorti des communiqués, on est parti même jusqu'au niveau de l'Union africaine, on a envoyé des communiqués au niveau de l'Union africaine. Est-ce que vous avez rencontré les organisateurs? Vous avez vu, par exemple, on a rencontré les ministres, vous avez vu les chefs de l'État? J'ai rencontré plusieurs fois le ministre Robert Dussier sur cette situation. Et ce qui était très intéressant dans cette démarche, c'est qu'instamment, ils étaient d'accord avec nous. Et il y a eu une conférence de presse qui s'est tenue en septembre 2015 au siège de la délégation de l'Union européenne, où l'ambassadeur Nicolas Berlinguer-Martinez et le ministre Robert Dussier nous rassuraient qu'ils allaient mettre la migration au sein du sommet de la sécurité maritime. Et après, bon, en plus, c'était, pourquoi cette conférence de presse avait eu lieu aussi, c'est parce qu'on préparait le sommet de la Valette qui devait parler de la question de la migration vers l'Europe et comment faire pour endiguer tout ce drame qui se passe dans la Méditerranée. Donc, cette conférence de presse a dit, oui, la migration sera au centre du sommet de Lomé, même pour préparer le sommet de la Valette. Et coup de théâtre, après le sommet de la Valette, on dit, la migration ne sera plus au menu. Mais pourquoi alors les chefs d'État africains ne veulent pas parler de la migration et de la protection des gens qui meurent en mer? Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, une question, vous êtes des journalistes, quand est-ce que les chefs d'État africains se sont réunis pour discuter une fois du drame qui se passe en Méditerranée, selon vous? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, que ce sujet dérange? Ce sujet dérange, justement, c'est pour ça que les chefs d'État ne veulent pas en parler, ne veulent pas en discuter. Pourquoi ça les dérange? Ah ben, parce que, en fait, tout à l'heure, vous discutez de tous ces problèmes à la Constitution en Côte d'Ivoire et tout. La question de la migration pose la question de la gouvernance dans nos pays. C'est un sujet très fâcheux parce que ça pose la question de la gouvernance. Pourquoi autant d'Africains veulent quitter? Pourquoi autant d'Africains demandent l'asile politique dans des pays même où on ne peut même plus demander l'asile politique? Ça aussi, c'est une question de gouvernance. Et ça porte aussi les lacunes qu'il y a dans les politiques migratoires dans nos pays africains. Pourquoi les Européens ne meurent pas en mer et c'est les Africains qui vont mourir en mer? Ça aussi, c'est une question. Ça veut dire qu'il n'y a pas les conditions pour que les Africains restent chez eux. C'est pour ça qu'ils quittent pour aller travailler ailleurs. Entre autres, parce que vous savez aussi, une autre chose, c'est que moi, je ne suis pas défendeur du fait de dire qu'il ne faut pas que les Africains voyagent. Le discours actuellement ambiant que l'Europe veut imposer à l'Afrique, c'est de dire aux gens, il ne faut pas aller voyager, laisser vos jeunes en Afrique pour développer l'Afrique. Il ne faut pas la fuite des cerveaux, il faut garder les gens chez vous. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Moi, je pose la question souvent aux Européens. Alors, si vous voulez que nous restions chez nous, pourquoi alors vous financez vos jeunes pour qu'ils voyagent? Pendant les vacances, vous voyez le nombre de Français qui arrivent au Togo pour les camps chantiers humanitaires et autres? Oui, justement, j'allais poser cette question parce que je me perds un peu. Alors, vous parlez de quelle immigration? L'immigration en général, qui est un phénomène humain qui date des siècles et des siècles, ou l'immigration clandestine? Non, attendez. Moi, vous savez, les concepts, même sur les concepts, je ne suis pas d'accord sur qu'on utilise l'immigration clandestine ou l'immigration illégale. Moi, je ne parle que de l'immigration. C'est pourquoi je parle que de l'immigration? Parce que la migration ne veut pas être clandestine, la migration ne veut pas être illégale. Comme vous l'avez dit, la migration est un droit humain. Un droit humain ne peut pas être illégal. Un droit humain ne peut pas être clandestin. Les gens qui partent, ils partent au vu ou au sud de tout le monde. Quand ils prennent des bâtons, c'est qu'ils prennent des bateaux. Quand ils prennent un avion, c'est qu'ils prennent un avion. Après, quand les lois européennes font de sorte qu'ils ne peuvent pas avoir de visa dans leur pays de départ et qu'ils sont obligés de payer des passeurs pour aller en Europe, ça c'est un problème. Et ça c'est un problème qui s'adresse à la fois aux dirigeants européens, aux dirigeants africains. Alors, cette migration se fait aussi dans l'autre sens. Oui. Les Européens, ils arrivent en Afrique, oui. Hein, facilement. Oui. Par contre, pour quitter l'Afrique et aller en Europe, c'est difficile. Oui. Alors, est-ce que il n'y a pas un contraste? Et un contraste qui est dû à quoi? Qui est dû à la faiblesse de nos pays? Vous savez, en 2014, la Colombie a signé un accord avec l'Union Européenne. La Colombie, vous connaissez la Colombie, ce pays avec la guerre, avec les FARC, avec le trafic de drogue. Oui. La Colombie a signé un accord de mobilité avec l'Union Européenne. Et depuis 2014, les Colombiens peuvent venir en Europe pour 3 mois sans visa. Ce pays qu'on considère comme des trafiquants de drogue, hein, avec les FARC, avec les guerriers et tout ça. Mais à aucun moment les Africains ne sont partis voir l'Europe pour dire « Mais pourquoi alors ne signons pas des accords de mobilité ?» Pour permettre, est-ce que pour 3 mois, quand... Vous savez, avant 1994, il n'y avait pas de visa entre la France et le Togo et tout. Moi, mon père allait en France sans visa. Mais pourquoi ils ont instauré les visas? Pourquoi ils ont instauré... C'est parce qu'ils sont envahis. Ils ne sont pas envahis, justement. Attention à ce mot envahi. C'est le mot que l'Europe veut. Ils ne sont pas envahis. Vous savez, je vais vous donner les statistiques. Ouais. Les statistiques des Nations Unies. Vous savez, les Nations Unies produisent... Il y a une division de les Nations Unies qu'on appelle UNBSA, Division of Economic and Social Affairs, qui produit chaque année, à la fin de l'année, une statistique des populations. Et dans ces statistiques, vous voyez le nombre de migrants par pays.
Le Nigeria compte 180 millions d'habitants, pays le plus peuplé d'Afrique. Vous savez combien de Nigériens qui sont à l'extérieur? Les Nigériens voyagent beaucoup, vous dites. Vous savez combien ils sont? Ils sont 1 million. Peu plus de 1 million. Allez, à l'extérieur, vous avez du monde entier. Vous... À l'extérieur de leur pays. C'est ça, les migrants. Non, mais le Togo, hein, le Togolais, les traditions de 3 millions. Hein. Non, justement, ça, c'est les faux chiffres et estimations qu'on vous donne. Parce que dans les chiffres de l'UNDSA, on vous dit que les Togolais sont 600 000 juste à l'extérieur. Maintenant, je vous dis, je vous donne le contraste. Okay, c'est les Togolais qui ont gardé leur nationalité. Non, attendez, je vais rentrer un peu dans les statistiques. Allons-y. Alors, les Nigériens sont 1 million à l'extérieur. Les Français qui sont 60 millions, vous savez combien ils sont à l'extérieur? Ils sont 2 millions de Français à l'extérieur. Les Allemands qui sont 80 millions, il y a 4 millions d'Allemands à l'extérieur. Les Anglais, la Grande-Bretagne, 69 millions, il y a 4,9 millions d'Anglais à l'extérieur. Et c'est la population la plus grosse population la plus migrante en Europe. Vous voyez la différence entre la population nigérienne à l'extérieur et la population européenne? Pourquoi les Européens migrent? Et pourquoi nous, on n'a pas migré? Mais ces chiffres ne sont pas officiels. Parce ils que... sont officiels. Non. Monsieur Abiy, moi je ne connais pas dans l'Afrique du Sud. Oui. En Afrique du Sud, il y a des millions de Nigériens. Excusez-moi. Alors, on m'a dit qu'ils sont devenus sud-africains. Moi, il y a un quartier en Afrique du Sud qui s'appelle carrément Lagos. Ils sont là. Hillbro, tout ça, c'est les Nigériens qui sont là-bas. Donc, de dire aux Nations Unies que vos chiffres ne sont pas vrais. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce querelle de statistiques avec vous, mais c'est pour vous dire quand même que les chiffres de l'UNDSA prennent en compte les statistiques nationaux. Ils compilent toutes les statistiques au niveau des nations, et avec cette compilation, ils donnent les estimations. Vous allez sur le site, vous avez l'UNDSA, vous voyez Population Data, vous allez voir tous ces chiffres dont je vous parle. Est-ce que je ne vous coupe pas la parole, mais votre analyse m'intéresse. Est-ce que vous estimez que si aujourd'hui l'Europe lâche du lest, ça va éviter ces migrations? Mais nous, on a fait des propositions. On a dit, vous savez, les migrants, quand ils donnent 2000 dollars au patient, même quand on ne va pas loin, on va juste à Calabar ici, pour aller au Gabon, ils prennent les bateaux à Calabar au Nigeria pour aller au Gabon. Ils paient entre 1000 dollars et 1500 dollars pour les 3 jours de barque. Pour aller en Europe, ils paient 2000 dollars. On a dit aux ambassades ici, si vous créez, on crée plutôt des comptes de garantie. Quelqu'un veut aller faire une conférence en Europe, il est invité pour aller voir sa copine en Europe. Vous lui dites, bon, crée un compte de garantie, mets 2000 dollars en compte. Si tu ne reviens pas au bout de 2 semaines, au bout de ton délai, on garde le compte. Est-ce que ça ne va pas empêcher les gens de mourir en mer? Est-ce que ça ne va pas vraiment mettre fin à ce drame-là? Mais qu'est-ce qui, à l'origine de ce drame qu'on vit en mer, c'est les politiques migratoires européennes qui nous conduisent à ce drame. Et ça, il faut le questionner. Ce n'est pas la faute aux jeunes africains. La migration est un fait naturel, est un fait humain. Vous savez, on dit souvent aux jeunes, il faut développer l'Afrique pour que les jeunes ne partent pas. Je dis, je donne un exemple. Le jeune, il vend des portables à Décon, bien à Satan Akbidji. Ce jeune, il vend des portables, il commence à prendre chez les Nigériens. Mais après, il va se rendre compte qu'il faut aller à Dubaï pour voir moins cher, pour gagner plus. Il va aller à Dubaï. Après, il va se rendre compte qu'il faut aller en Chine pour gagner plus. Il va aller en Chine. Et là, il développe le pays ou il ne développe pas le pays. Même la revendeuse de charbon qui commence en prenant à côté à Lomé, il va commencer à aller au niveau de Djengré, il va commencer après à aller peut-être plus loin, vers le Ghana pour avoir moins cher. Le développement n'empêche pas la migration. La preuve, c'est que les pays développés voyagent plus. Plus tu es riche, plus tu voyages. Et la plupart des gens qui disent ne voyagez pas, même au niveau des... Moi, tout à l'heure, j'étais dans une autre émission, on me disait, mais il y a un observatoire africain qui nous a dit qu'il faut mettre fin à ce phénomène, à ce fléau, ne pas empêcher les gens de voyager. Mais ces gens, c'est qui vous disent ça? C'est eux qui prennent les billets d'avion chaque semaine pour voyager. Ben oui, ben ils voyagent. Pas pour essayer de créer des problèmes au pays d'accueil. Ils n'iront pas dormir dans la rue, ils n'iront pas rester, mettre des cartons au niveau des stations de métro, comme on le voit en France par exemple. Vous pose une question. Vous connaissez le quartier Strasbourg-Saint-Denis à Paris? Exactement. Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui passe tout le temps en Europe. Oui. Je peux vous dire quelque chose. Oui. Vous pensez que les migrants qui voyagent n'ont pas de projet migratoire? Pourquoi les migrants ne veulent pas passer? En quoi consiste ce projet? Le projet migratoire, c'est un projet personnel de découverte. Aller voir la Tour Eiffel, c'est déjà une découverte. Et après, il faut rentrer. Mais monsieur, excusez-moi. Ces gens-là, aucun migrant ne vous dira « je vais pour rester longtemps ». Mais finalement, ils sont là. Pourquoi ils restent alors? Ils restent parce qu'ils n'ont pas la carte de séjour. Parce qu'ils savent que quand ils ressortent, ils ne peuvent plus rentrer. Mais pourquoi aller rester et ne pas... On suppose qu'ils vont en tourisme, ils vont faire un truc. Oui. Mais pourquoi ne pas rentrer chez eux? Et une fois sur place, ils déchirent leur passeport, et ils sont là, et on les voit dans la rue, ils vendre du maïs, des trucs. Excusez-moi, parce que la politique migratoire les empêche, quand ils rentrent, de ressortir, première chose.
La politique migratoire les empêche de s'intégrer facilement, seconde chose. Je viens de sortir un article la semaine passée. Je viens de sortir un article sur la situation en Mauritanie. Non, on parle, moi, je ne parle pas juste de l'Europe, je parle de la situation dans beaucoup de pays du monde où l'intégration des migrants est compliquée. En Mauritanie, les jeunes, j'étais parti à Ouagadougou, il y a Nouadhibou, la capitale, et puis Ouagadougou, qui est à 80 km. J'étais à Ouagadougou il y a 2 semaines, j'ai passé le temps avec les migrants là-bas. Les migrants me disent, mais écoutez, nous on est là depuis 15 ans, depuis 20 ans, on veut avoir les papiers. On veut, même si possible, avoir la nationalité, même quand c'est difficile de se marier à un Mauritanien, parce qu'on ne veut pas tout de suite te marier. On fait quoi? On est dans l'illégalité, parce qu'on ne donne pas les papiers. Quand ils ont dit, ils ont augmenté les frais pour avoir les cartes de séjour à 30 000 oublia, la monnaie mauritanienne. Oui. Il y avait 150 personnes par jour pour prendre ça. Mais refus de visa, dossier rejeté. Pourquoi? Parce que l'Europe a financé la Mauritanie pour que les Africains ne passent pas par la Mauritanie, mais s'installent. Mais monsieur Abiy, aujourd'hui on veut le nombre de chômage, hein, le nombre de chômeurs en France. Et s'il faut que la France accepte encore des milliers d'Africains, mais vous imaginez ce que... n'accepte pas les milliers d'Africains. Écoutez, mais on les voit tout le temps, parce que la Libye pour aller en Italie, en Italie, ils envahissent l'Europe. Excusez-moi, ils envahissent. Je dis, écoutez, ils envahissent pas premièrement l'Europe. Ils cherchent pas des emplois en Europe. Un migrant, quand il arrive en Europe, il ne cherche pas à aller travailler forcément dans un emploi, prendre l'emploi de nos Français. Il va occuper les poches où il n'y a pas d'emploi. Je sais. Où les Français... les Français ne veulent pas balayer. Ouais. Les Français ne veulent pas vendre dans les coffee shops ou bien les Pakistan shops, les light shops et tout ça, ils vont le faire. Ouais. Donc, du coup. Dans les tabacs, tout ça là. Justement. Alors, mais ils viennent compenser. Et vous savez, autre chose qu'on ne vous dit pas, combien les migrants apportent chaque fois à l'Europe? Vous avez les, une étude de la Sorbonne, Université de Paris-Sorbonne, qui prouve justement que les migrants rapportent. Vous savez pourquoi les migrants rapportent en Europe? Quand les migrants rapportent, ils travaillent souvent à des conditions très difficiles et ils cotisent, ils envoient l'argent à la cotisation sociale. La population européenne est vieille. Qui va s'occuper de cette population s'il n'y a pas de cotisation sociale? Ça aussi, nous avons. Alors, donc ces migrants rapportent, ils ne créent pas de problème. Oui. On ne ferme pas la porte à tout le monde. Oui. Mais vous n'allez pas me dire aujourd'hui que, n'importe qui que vous allez croiser au Togo, vous allez l'encourager à partir. Moi, je l'encourage. Pourquoi pas? Monsieur Abiy, nous sommes. Ça devient un peu. Monsieur Abiy. Nous sommes au Togo, on voit comment les Togolais qualifient les Libanais, les frères chinois qui sont avec nous. À la limite, ils ont tendance à dire, mais c'est qui ces gens-là, ils nous envahissent. Oui. Alors, imaginez si nous, les Noirs, nous traitons les Libanais et les Chinois comme ça, et qu'est-ce que les Européens vont passer de nous? Attends, excusez-moi. Moi, je ne dis pas que les Libanais nous envahissent. Je ne dis pas que les Chinois nous envahissent. Mais certains Togolais le disent. Non, oui. Certains Togolais le disent parce que quoi? Ils le disent parce qu'ils sont comme beaucoup de gens qui sont ignorants de l'apport de ces gens-là dans nos économies. De l'apport financier de ces gens dans nos économies. Moi, je dis quelque chose. Moi, je dis que la migration est une opportunité. On dit dans l'adage, l'enfant qui n'a jamais goûté à la sauce, un enfant qui n'a jamais goûté à la sauce d'une autre maman, c'est comme s'il considère que la sauce de sa maman, c'est la meilleure au monde. Il fallait goûter à la sauce parce que quand tu voyages, quand tu quittes Lomé, tu vas à Sokoto, mais quand tu quittes Lomé, tu vas à Accra, tu te rencontres. Accra, c'est quelque chose. Il faut que mon pays devienne comme ça. C'est une opportunité, la migration. C'est pour ça qu'en Europe, ils ont des fonds pour faire voyager leurs jeunes. En Europe, oui, ça c'est pour le tourisme. C'est pour le tourisme. Excusez-moi. On va faire les vacances. Excusez-moi. Ils ne vont pas rester là pour toujours. Vous dis qu'il y a 4 millions d'Allemands qui sont à l'extérieur de l'Allemagne. Je vous dis qu'il y a 4 millions d'Allemands. Nous sommes d'accord. Et je vous dis combien de nous sommes en Europe. Mais je veux encore aller plus loin à ce que vous dites. Vous savez, aussi en Europe, ils font une amalgame entre les flux et les stocks. Combien de régularisations la France fait chaque année? La France fait en peine 180 000 régularisations par an. Mais c'est énorme. Attendez. Attendez, non, 180 000 régularisations. Vous pensez que c'est énorme? C'est une population de 60 millions d'habitants. Bon, c'est 180 millions, c'est beaucoup. Mais vous savez combien de personnes voyagent aux États-Unis? On a vu tout récemment des employés ont été chassés du Togo parce qu'ils ont fait 4 ans. Les employés de mouvement ont été chassés parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait 4 ans. Non, 180 000 régularisations par an. Quand on dit 180 000 régularisations par an, c'est quoi? C'est des gens qui sont déjà installés sur le sol. Qui travaillent et qui font un dossier pour montrer que j'ai un loyer, je paie le loyer, j'ai un contrat de bail, j'ai un emploi. Ils vont à la préfecture, à Bobigny, ils font la queue, on leur donne la régularisation. Quand vous dites c'est trop, mais c'est des gens qui contribuent et qui veulent être légal. Est-ce que c'est trop des gens qui contribuent dans là, quand vous parlez, à vous écouter, j'ai l'impression que vous voyez plus l'intérêt du pays qui accueille, notamment l'Europe. Quand vous avez parlé tout à l'heure de ce que les migrants apportent et tout cela et autres, mais celui qui migre,
ce sont des vous avez cité les emplois où on les retrouve, le balayage et puis les petits emplois. Et vous préférez que nos ingénieurs aillent balayer les rues en France que plutôt de lancer. Ils vous rapportent 80 milliards par an. Non. Laissez, mettez ces chiffres de côté. Non, excusez-moi. Pourquoi je n'avale pas que je n'avale pas. Non, excusez-moi. Non, on ne veut pas qu'on nous rapporte. Les journalistes me disent. On veut aujourd'hui, l'idéal, c'est la création des entreprises et pour l'emploi. Excusez-moi. 80 milliards, vous, je ne sais comment pas combien. Les journalistes peuvent me dire. Oui, mais moi, si je ne comprends pas comment. On peut défendre une position selon laquelle, oui, ils vont y aller là-bas, ils vont travailler dans les cafés, balayer les rues. Alors, c'est l'idéal que vous avez pour l'Afrique. Je vais vous dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais vous dire. La vérité. La vérité, c'est quoi? Quand ils vont balayer les rues et tout, ils sont en site d'intégration, vous pensez qu'ils passent tout le temps à balayer les rues? Ils fréquentent, ils fréquentent aussi. Vous voyez, demandez à ceux qui arrivent aux États-Unis, qui commencent à travailler dans les McDonald's. Ouais. Vous pensez qu'après, ils ne prennent pas des études? Vous connaissez Antoine Bekobo? Non. Le ancien coordonnateur. Vous connaissez Antoine Bekobo, l'ancien coordonnateur du programme Diaspora? Oui, oui, on le connaît. Je vous donnais l'impression comme si ça marche pour tous ceux qui partent. Excusez-moi. C'est là où je ne suis pas d'accord avec. Quand on fait créer une entreprise. Vous parlez d'Antoine Bekobo. Vu qu'on est l'ancien coordonnateur du programme Diaspora, demandez-lui. Quand les Togolais arrivent aux États-Unis, même quand tous les Indiens, tout ça, les Indiens arrivent, les Chinois arrivent aux États-Unis, ils passent comment? On commence au bas de l'échelle, puis on gravit les échelons. Et seconde chose, on veut des gens qui créent des entreprises. Comment les entreprises marchent au Togo après création? La migration aussi est un risque. Je reconnais que la migration est un risque, mais c'est le même risque que tu prends quand tu crées une entreprise au Togo. Et dernière chose, vous savez comment les Togolais rentrent en vacances par an au Togo? Pendant les vacances, parce que pendant les vacances, moi, à l'aéroport, je fais la campagne en raison d'accueil de la diaspora togolaise. Vous savez combien j'en accueille? J'en accueille entre 3 000 et 5 000 par an. Et quand quelqu'un rentre au Togo, pendant, vous dites, bon, je ne veux pas des chiffres. Les chiffres de la BCA, vous dites, vous ne voulez pas. D'accord, je vous donne des cas concrets. Entre 3 000 et 5 000, tous les avions Air France sont pleins. Et quand ils prennent le vol, arrivent ici, par passager, l'aéroport perçoit des taxes. Ce n'est pas 300 euros. Donc, multiplier ça par le nombre de personnes qui arrivent. Et ensuite, quand tu arrives à vacances, tu arrives au moins avec 1 000 euros, 600 000, minimum. Ouais. Multiplier ça par toutes les dépenses qu'ils font. On va aller loin. Et puis, dernière chose, personne, tous les gens de la diaspora, quand ils vont avec l'idée de gagner un peu, de venir construire une entreprise, de venir construire une maison. Parce que quand ils construisent une maison, il faut travailler des maçons. Ils envoient les Western aussi, ils on sait. Ils envoient des gens. Des Western Union. Des Western Union pour que les gens puissent aller à l'école. Ça fait des enseignants. Je vais poser une question. Je vais évoluer parce qu'il a une activité la semaine prochaine. Cette semaine, il faut qu'on en parle rapidement. C'est pas grave. Rapidement. En fait, moi, je le comprends. J'essaie de le comprendre à travers votre analyse. C'est un peu compliqué avec les consulats ici. Moi, je prends l'exemple du consulat de la France. Lorsque vous allez demander le visa et qu'on vous notifie la liste des documents à présenter pour demander ce visa, même si vous avez ce document, même si vous avez la liste de tous ces documents, il est précisé quelque part sur la fiche, sur le formulaire, que la présentation de tous les dossiers ne vous garantit pas nécessairement le visa. Ce n'est pas normal. Non, mais attends. Ce n'est pas normal. On vérifie un peu. On vérifie, voir si vous allez rester. On voit vos revenus ici. Et bien ça aussi. Mais attends. Est-ce que le Togo voit le revenu du français qui arrive au Togo? N'est-ce pas c'est complexe. Vous avez une invitation officielle à participer. Je cite cet exemple, Fabrice. Excusez-moi. Vous avez une invitation officielle. Fabrice, je cite cet exemple. Vous avez une invitation officielle. En tant que journaliste, c'est de me donner l'impression, c'est de tenter de faire croire que c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Ok, merci Fabien. Rapidement, je cite votre exemple. Vous êtes journaliste, vous recevez une invitation à participer à un séminaire ou à un colloque en France, vous vous rendrez au consulat de France, on vous demande les papiers, vous envoyez les justificatifs, une semaine plus tard, vous allez pour retirer votre visa, on vous dit non, que vous ne pouvez pas avoir... Pour l'instant, je merci, on m'a jamais dit non. Que vous ne pouvez pas avoir de visa parce qu'il y a un document qui manque. On ne vous demande pas de compléter ce document et pour vous, c'est fini. Moi, on me l'a demandé une fois. On m'a demandé, j'ai complété, c'est bon. Excusez-moi, je vous donne. Je dis la Colombie signe des accords de mobilité. La Turquie, vous savez ce qui se passe là? Actuellement, les politiques d'aide de développement de l'Europe est conditionnée à la politique migratoire des pays. On vous dit, si vous ne bloquez pas le départ de vos jeunes, on ne vous donne plus d'aide publique au développement. C'est une arnaque. Les Turcs, on a donné 1,8 milliard à tous les pays, 54 pays africains, pour bloquer le départ des jeunes, surtout au pays du Sahel, pour bloquer l'arrivée. Et la Turquie, vous savez ce qui s'est passé, on leur a donné 3 milliards pour empêcher les Syriens d'arriver. Oui. Les Turcs ont dit non, 3 milliards, ça ne me suffit pas.
il faut augmenter à 6 milliards. Mais, deuxième condition, vous augmentez à 6 milliards... De dollars ? D'euros. D'euros, okay, okay. 6 milliards d'euros, mais vous permettez à tous mes ressortissants de venir en Turquie pour 3 mois sans visa. Les Africains leur ont donné 8 milliards, ils ont applaudi. Ils se sont tués. Les Turcs, ils ont dit non. Et jusqu'à maintenant, c'est pourquoi l'accord n'a pas été implanté. Parce que l'Europe a refusé de donner cet accord de mobilité aux Turcs. Et les Turcs ont refusé d'appliquer ce. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire qu'un pays normal, la mobilité, c'est une richesse. Pourquoi les Turcs, qui sont plus développés que le Togo, insistent pour que leur population migre et soit mobile? Okay. Attention. Vous allez voler. Pourquoi les Chinois viennent au Togo pour travailler? Attention, mes frères. Mais les Togolais aussi bougent. Alors les Togolais bougent, mais sur quelle protection? Quelle protection le gouvernement togolais, les ambassades togolaises accordent aux Togolais qui bougent? Est-ce que vous pensez que le Togolais... Pourquoi il y a des Togolais à l'extérieur qui ne vont jamais dans leur ambassade? Parce qu'ils savent que l'ambassade ne leur est même pas utile quand ils sont malades, quand ils sont morts, quand ils meurent. Quand ils ont des problèmes avec la justice dans leur pays de résidence. Hier, j'étais avec... Bon, on a parlé de l'Académie des migrations, tu veux en parler? Je veux qu'on en parle, hein. On a 5 minutes pour finir, donc... Oui, je vais vous organisez l'Académie, hein, de 15 à 16 octobre. De 15, oui. Avec les deux pays qui vont arriver. Donc les gens du Gabon sont déjà là. Les associations qui travaillent au Gabon. Et bon, ils vont, tous ces pays qui vont, l'Afrique du Sud va arriver, Kenya, tous ces pays, tous ces experts de la société civile qui travaillent sur la migration. Moi, on n'est pas des petits, on est des experts. Moi, je reviens de New York au sommet des Nations Unies pour les questions de migration. Et vous voyez le discours que moi, je suis étonné d'avoir même ce débat avec vous parce que c'est vous qui devez sauter sur l'occasion. Pas les yeux fermés. À New York, non, bien sûr, malheureusement, on parle aussi. Nous avons des informations. Le monde aujourd'hui n'est pas fermé. Mais vous avez des informations. La vie des Togolais aux États-Unis, en France et tout cela, ça marche pour certains. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? L'Académie des migrations, justement, c'est pour faire des recommandations sur base des données des études que nous faisons et des données des Nations Unies, des statistiques et tout, pour dire, écoutez, la migration, on le prouve, c'est une opportunité. Mais comment protéger les migrants qui partent? Donc les Gabonais, les gens, les experts du Gabon qui sont venus, les experts d'Afrique du Sud et du Kenya qui vont venir, vont dire, écoutez, au Kenya, vous voyez, ils ont créé la FAEJ ici, pour appuyer l'investissement des jeunes, les entrepreneurs des jeunes. La FAEJ qui est au Kenya finance la migration, la mobilité de ces jeunes. Ça, c'est en Afrique, une bonne pratique africaine. Donc, vous trouvez normal qu'un État finance aide ces jeunes à quitter le pays? Vous savez pourquoi? Non, pourquoi, dites-moi? Parce que ces jeunes qui quittent le pays, ils rapportent. Oui, mais ça se fait. Quand je prends je pense que vous devez encore faire plus de recherches sur ça parce que vous allez voir. Vous savez, il y a chaque année une GFMD, le Global Forum on Migration and Development, organisé par les Nations Unies, où chaque pays, les pays se rencontrent avec les experts, où je participe depuis près d'une dizaine d'années à ce forum-là, pour dire qu'est-ce que la migration m'apporte. Et quand vous allez dans ces débats, on vous apprend que quand quelqu'un part du pays, il apprend le savoir. La Chine, comment la Chine est devenue une puissance selon vous? Comment la Chine est devenue une puissance? C'est grâce à sa diaspora, on ne vous le dit pas. Pourquoi dans la plupart des pays d'Europe, vous voyez les Chinatown? Il y a des données. Donc nous, à l'Académie des migrations africaines, on va apporter les chiffres, les données. On va dire, voilà, accompagner les migrants au départ, pour qu'ils ne meurent pas en mer. Voilà les accompagner quand ils sont dans le pays d'accueil, qui ne tombent pas dans les problèmes de justice, ils ne tombent pas dans l'exploitation, parce qu'on exploite les gens. Je suis d'accord que la migration est un risque, que les gens, certaines fois, perdent leur vie. Ils perdent leur vie parce qu'on n'accorde pas des protections consulaires. Vous avez les chiffres des morts? Vous savez, il y a eu 3000 morts. Il y a eu 3000 morts selon l'OIM, parce que nous, les statistiques, on travaille avec. Il y a eu 3000 morts depuis les 6 premiers mois de l'année à la mer Méditerranée. 3000 morts. Combien il y en aura dans les 3 prochains mois? On ne sait pas. Mais l'année passée, l'année qu'on a battu un record, on a eu plus de 6000 morts. Eh bien, du coup, il faut décourager ça. Il faut donner plus de visas, il faut une politique de mobilité. Il faut une politique de mobilité. Parce que quand vous allez à New York, aux États-Unis, on te demande jusqu'à donner le nom de ton grand-père. Le nom de ton grand-père. Qu'est-ce que le nom de ton grand-père vient faire dans cette histoire? Mais pour le Canada, c'est pire. On te demande de fournir le montant que tu t'es marié, tu as développé des terres ici. Est-ce que c'est la même chose en retour? C'est-à-dire non, mais ça ne peut pas être la même chose. On est là ici, on se focalise sur l'Occident. Non, mais je vous dis que c'est plus difficile d'aller au Gabon qu'en France. Mais moi, je suis d'accord. Et moi, je vais dire mieux, c'est plus difficile de venir au Togo. Vous savez, pour les Africains, vous savez ce qu'ils ont fait pour le sommet de la sécurité maritime? Ils ont augmenté les frais de visa pour les Africains. La semaine passée. Vous êtes sûr de ce que vous dites? J'arrive de là. Vous savez, je travaille sur la migration, je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Tout le monde vous dira en Afrique que c'est à quoi du sommet que vous avez augmenté? J'arrive à l'aéroport, je reviens de Yoff, à Dakar. Puisque je passe tout le temps à voyager dans les sommets sur la migration. On fait une réunion africaine à Dakar, j'arrive. Puisque j'accueille tous les Africains qui vont venir, moi aussi. J'ai dit, bon, je vais déjà demander les prix, mais je reviens pour confirmer les prix. Je viens, on dit non, augmenté. Une semaine auparavant, je vais demander le prix, je reviens maintenant. Ils disent non.
les Marocains prenaient 25 000 francs, maintenant c'est 30 000 francs. Les Sud-Africains, on prenait 15 000 francs, maintenant c'est 20 000 francs. Les Gabonais, c'est 30 000 francs. Ils ont ajouté 5 000 francs et ils ont ajouté sur les pays africains, sauf la Tunisie, ils n'ont pas augmenté pour la Tunisie, sauf, ils n'ont même pas augmenté les prix pour les pays européens, c'est toujours 10 000 francs. Vous imaginez que même ça, quand je vais en Mauritanie, je ne paie pas de visa, je paie juste une taxe de 5 euros pour entrer sur le territoire. Mais les Mauritaniens, eux, quand ils arrivent au Togo, ils paient 30 000 francs pour arriver au Togo. Et moi, je croyais que parce qu'on présente le sommet de l'Union africaine, le Togo allait faire une politique d'intégration africaine. Actuellement, la mode en Afrique, c'est de suivre le Rwanda. Le Rwanda, vous savez, c'est un beau pays. Vous allez au grand marché de Rwanda, à Kigali, à Momodi. À Momodi, il n'y a pas de saleté. Mutuelle de santé, c'est un exemple. Justice transitionnelle, le Rwanda est un exemple. Mais l'exemple sur lequel on cite le plus Rwanda, c'est que le Rwanda ne donne plus de visa à tous les pays africains. Vous arrivez à Kigali, à l'aéroport de Kigali, vous n'avez pas de visa pour rentrer. Vous payez à peine 30 dollars, vous rentrez. Maintenant, le Bénin a suivi l'exemple du Rwanda en disant « Maintenant, je ne demande plus de visa aussi aux pays africains. » Le Togo a organisé un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Le Togo t'a donné un exemple. En plus, le président Faure a rencontré le président Kagame la fois passée à New York. On était tous ensemble à New York. Ils ont rencontré Kagame pour dire « Je vais prendre l'exemple du Rwanda. » Mais non, le Togo ne fait pas la même chose. Il arbitre un sommet de l'Union africaine. Il augmente les prix des visas pour les pays africains. Bah, vous nous informez, on va essayer de vérifier, voir. Moi, j'ai assisté à un colloque au Cameroun. On a été invité, mais on a payé 50 000 francs pour le visa. Oui, c'est le Cameroun. Je trouve que c'est compliqué pour avoir le visa du Cameroun. Vous ne pouvez pas l'avoir à l'aéroport, il faut l'avoir avant d'arriver. Non, mais c'est compliqué. Mais tout à l'heure, vous avez en prison là-bas. Ils ont leur salut commissariat là-bas. Pour pouvoir éviter ces drames, il faut une politique de mobilité. Et la politique de mobilité, il y a certains pays qui l'arrachent. Pourquoi nos pays n'arrivent pas à l'arracher? Vous savez, on est dans un domaine de géopolitique. Et dans le domaine de géopolitique, on voit ses intérêts. Si toi, ton intérêt, c'est de le dire, vous, mes enfants, mes citoyens, ne voyagez pas, restez au Togo. Mais restez au Togo, même vous oubliez qu'on est dans un monde mondialisé. Et la mondialisation fait quoi? L'argent circule dans tout le monde entier. Il faut aller là où se trouve l'argent pour le ramener dans ton pays. Merci, M. Samir Abi. Je rappelle que M. Samir Abi est le directeur exécutif de l'association Vision Solidaire. Il organise avec des amis du 15 au 16 octobre prochain, samedi, dimanche prochain, une académie des migrations africaines. Ce sera à Lomé, c'est où? Ce sera à Didro, mais on voulait le faire à Touré César, mais l'État togolais nous a interdit parce qu'il dit que c'est trop proche du sommet de la sécurité maritime et que notre activité est trop sensible pour les présidents. Il faut le mettre dans la banlieue et finalement on est maintenant parti le mettre à l'hôtel du Sud avec le Tommy. Votre mot de fin, vous aurez pour repousser la date. Votre mot de fin, l'émission finie, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire la migration est une opportunité. Dans la migration, il y a des risques à prendre, certes. C'est difficile d'avoir un visa, c'est difficile de se retrouver dans un pays, de ne pas comprendre la langue de ce pays. C'est difficile de pouvoir s'intégrer. Mais dans la migration, vous apprenez beaucoup de choses. Vous apprenez d'autres cultures, vous apprenez d'autres savoirs, et ces savoirs peuvent vous changer votre vie et vous amener loin. Merci à M. Samir Abi, merci à David Bailly Diabrabi, merci à toi Fabrice Bodjezi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Si vous nous suivez en matinée, sachez que nous sommes en direct. Et si c'est le soir, c'est la rediffusion. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. Merci à ceux qui nous ont suivis sur City FM 89.9 MHz, à nos amis de la diaspora, www.lcftogo.com. Allez, bonne journée à vous, à très bientôt.